Dans presque tous les continents, en fin de compte, ça se termine toujours par palabre. Quand c'est à toi de prendre, il savait que non, la tontine se garde, ça se mélange. Je me suis toujours moqué de ceux qui ont toujours fait tontine. Tous les jours, je me moquais de ceux qui ont fait tontine. C'est toujours transformé en palabre et en palabre et en palabre. Mais j'ai été contacté par ma soeur, Maman Bio. Je me rappelle, j'étais en France. Elle m'a écrit en Ibos. Et en Ibos, quand elle m'a écrit sur Snap. Elle m'a écrit, bonjour mon debout, on dit quoi, tu vas bien? J'ai dit, oui, je vais bien. Elle dit, bon, j'organise tontine. Il y a Estrator et puis il y a Zagba dedans. Donc quand j'ai entendu Estrator et puis Zagba rajouter à Poutou National que je suis dans la tontine, je me dis que bon, ça c'est une bonne tontine. Déjà je ne l'ai jamais fait et puis c'est une soeur qui vient me dire qu'il y a tontine. Donc automatiquement je me dis que bon, ma bio ne peut pas fuir avec mon argent. Donc c'est comme si bon, je soutenais une soeur, peut-être qu'eux, ils ont besoin de ça par rapport à quelque chose. Moi, comme c'est Maman Bio, il n'y a pas de souci. Je vais rentrer dans la tontine. Donc ma bio quitte chez moi, elle va aussi chez Zagba. Zagba, j'organise tontine, il y a Estrator et puis il y a Apuchou. Zagba aussi qui s'est dit, bon, s'il y a Apuchou, qui est l'homme de la télévision, l'homme qui fait direct matin, midi, soir, s'il est dans la tontine, c'est que ma bio ne peut pas fuir avec son argent. Parce qu'elle sait que quand le direct va commencer, là, celui qui lance plus les directs, c'est moi. Donc, je me dis que bon, elle ne peut pas fuir mon argent ou qu'elle ne peut pas mettre notre argent dans le problème. Donc elle va aussi chez Estrator. Elle prend le nom d'Apuchou et le nom de Zagba. Pour dire, ah Zab, Estrator, j'organise ton team, il y a Apuchou et puis il y a Zagba dedans. Donc nous trois, on s'est dit que bon, la petite là ne peut pas nous faire ça. Ou bien Belém. On s'est dit que la petite là ne peut pas avoir courage de venir nous faire un tapis créé à nous. Et puis voyons Maman Bio aussi. À travers ces trucs d'été, mes soeurs, la voyant chichi, elle allait faire fesse, elle allait faire c'est. Déjà, c'est mon argent, ils ont pris pour faire tout gauche. Donc, moi, à battre. Bon, là-bas, on commençait déjà, même par rapport à ça d'abord. Bon, on allait doucement, doucement. Donc, il dit que bon, elle n'est pas nous faire ça. C'est ma soeur, je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. La preuve en est, je l'ai invité chez moi, c'est la fondation. Et puis, je me suis dit que bon, c'est une soeur, elle fait les challenges TikTok. Forcément aussi, c'est la bien de moi. Et que moi, bien d'être. Tu sais, dans la vie, en toute chose, c'est du gagnant-gagnant. L'amitié même, c'est comme cela. En toute chose, c'est gagnant-gagnant. Donc, je me suis dit, bon, forcément, peut-être, si demain, je vais sortir une chanson, elle peut me soutenir. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, ma bio nous a mis dans ton team, là. Dans ton team, elle nous a mis, là. On ne sait pas qui prend premier, qui prend deuxième, qui prend troisième. Mais moi, je dis, je prends dernier. Parce que je n'ai jamais fait ton team. Donc, je dis, bon, moi, je prends dernier. Moi, je vais cotiser pour les gens. Les gens n'ont qu'à prendre. Mais moi, je prends dernier. Donc mon ami Zagba, le requin, lui apparemment, lui prend 4e. Estrator, lui il est 5e. Et apparemment, ce n'est pas one tontine, hein? Ce n'est pas une seule tontine. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le téléphone là-bas, qui sont en train de faire tontine. C'est qu'en a peut-être plus de 30 personnes en train de faire tontine. Donc moi, comme je dis, moi je prends dernier. Et que moi je n'ai jamais fait tontine, qu'est-ce que moi je fais? Moi je prends mon argent. C'est-à-dire que moi qui dois payer vraiment l'argent chaque fin du mois. Là. Moi, je ne paye pas l'argent chaque fin du mois. Hein. Moi, je décide de payer mon argent là un coup. Moi, je donne mon argent un coup. Mon ami Estrator aussi, lui, il a donné aussi son argent aussi un coup. Je ne sais pas si c'est un coup, mais c'est quoi. Mais ça va le requin. C'est que nous, on a donné notre argent. Maintenant, premier là, nous, on ne sait pas qui prend. Deuxième, on ne sait pas qui prend. Troisième, à partir des troisièmes, on ne sait pas qui prend. Bon, les noms sont là-bas. Si c'est elle-même qui a affiché les noms ou bien qui a mis les noms, hein. Nous, on ne sait pas. Nous, on n'a jamais fait tontine. C'est notre soeur qui est venue nous voir pour nous mettre dans la fête de tontine. Donc, Zagba, normalement, doit prendre 4e. Arrivé chez ma bio là-bas, on tape la porte, biag, 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 pendant au moins 40 minutes. Ma bio ne sort pas de la maison, elle nous fait la porte. Donc, elle s'attend à un message à Snap. Nous sommes devant ta porte. Si tu n'ouvres pas, si tu n'ouvres pas, nous, si tu n'ouvres pas la porte de là où tu es là, le jour qu'elle te croise dans la rue là, ah, tu vas aller à Saint-Gauche là, parce qu'apparemment, il y a mon âme dans Saint-Gauche là. Je vais aller à Saint-Gauche là, Zagba va aller à Q-Droit là, l'autre va aller à Saint-Gauche. C'est sûr, on prend tout ce que tu as pris pour aller faire en Turquie là. Nous, on va prendre ça, nous, on va aller se chercher. Donc, ma bio maintenant qui descend maintenant, qui vient, qui nous parle. Ah, mes frères,
vraiment, il vous demande pardon. Affaire de tontine là, si c'est gâté dans ma main, il y a ma, il y a mes assistances, ils ont fui mes 35, ils ont fui mes 25 millions. Où est-ce que elle est là? Et c'est pour mettre la tête, j'ai des problèmes, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Elle dit, ah, ma Dieu. Toi, tes assistants ont fui tes 25 millions. Et puis toi, jusqu'à présent, il n'y a aucun tapage sur la toile, sur les réseaux sociaux. Pendant que dans ton tontine, où on est là? Les plaignants, même déjà, notre argent va jusqu'à dans plus de 60 et quelques millions. Nous, les plaignants, notre argent va dans plus de 60 et quelques millions. Pour nous autres, là, on est dans même 14 et quelques. Mais pour les autres, là, ils sont au moins dans plus de 60, il dit, mais dans plus de 60 et quelques millions là-bas. Parce que les plaintes sont énormes et beaucoup. Il y a trop de personnes. Donc, moi et mon ami Estrata et Zaba, nous, on crée un groupe, on appelle ça Tontine Ramba. Tout ce qu'il dit ici là, c'est la vérité. Hein? Il n'y a aucun mensonge de ce qu'il a dit là. Zaba même va vous dire la même chose qu'il va faire sa vidéo aussi. Donc Zaba crée un groupe où en se nomme le groupe là, Tontine Ramba. Il y a moi, il y a Estrata et puis il y a Zaba. Donc on essaie de trouver des solutions. On dit, ah mon frère, si on laisse cette affaire là comme cela, et que les autres plaignants, les autres qui se plaignent là, si aussi viennent s'ajouter aussi à nous notre requête là, plein qu'elle m'a sorti de la tontine, même 105 francs, et notre argent, nos millions vont rester dans l'eau comme cela. Donc, dévassons déjà, pour ne pas que les autres plaignants, qui sont en train de se plaindre, que nous appelons un boss matin, midi, soir, et aussi envoient ma vie en justice, pour que notre argent reste comme cela. Donc, nous, on décide de frayer ma bio, en lui disant qu'on va la faire convoquer, en espérant qu'elle ait peur, et vienne vers nous, pour nous dire que, ah, mes frères, voilà, vraiment, j'ai des soucis, mais néanmoins, quand même, voilà 1 million, voilà 2 millions. Au moins, on sent qu'au moins, elle fait des efforts vis-à-vis de nous et qu'elle a l'initiative ou bien elle a l'envie de payer notre argent. Mais ma bio ne nous appelle pas. Quand elle se réveille matin, ma bio est en train de boire champagne. Elle est en train de manger, vient à Assini. Pendant qu'elle nous mange notre argent ici. Elle est en train de manger, vient à Assini. Ou bien elle est dans. Chaud des enfants là, en train de faire les travaillements là-bas. Quand mon ami Zéba voit ça, il dit, mon frère, est-ce qu'on va pas la kidnapper? Il dit, dans le pays là, kidnapper les gens. Mon frère, elle a laissé faire les kidnappings là. Il dit, non. Parce que la fille là commence à se foutre de nous. Est-ce qu'on va pas la kidnapper? Il dit, non, on va pas la kidnapper, mon frère. Cherchons comment faire pour gagner un peu de notre argent. Mais si on ne peut pas gagner tout notre argent, mais quand on a gagné un peu de notre argent, moi-même, allez-vous laisser la même. Mais s'il y a eu 2 millions dans mon argent, je suis content. Je prends mes 2 millions là, je vais me débrouiller moi-même et tout ça là, je vais avancer. De toute façon, c'est ma soeur et je l'apprécie énormément. Ça, il faudrait que je le dise. J'aime beaucoup ma bio pour sa simplicité, pour sa joie de vivre. Voilà, je l'aime beaucoup. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait nous faire ça à nous. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je ne pouvais imaginer que ma bio va nous faire un tapé créé de cette manière là. Donc, mon ami Zaba et puis Estrator en forment un groupe. On décide de frayer ma bio. En lui disant qu'on va l'envoyer en justice. Donc la première fois, c'est mon ami Estrator qui allait porter plainte. Quand Estrator porte plainte, moi je suis dedans, Zaba est dedans. Parce qu'on est en forme un groupe, on est trois. Nous sommes les trois amis. Personne ne peut trahir quelqu'un dans ce combat-là. C'est notre combat à nous tous. Donc quand Estrator prend une décision, c'est comme si c'est moi qui prenais la décision. C'est comme si c'est Zaba qui prenait la décision. Quand Zaba prend une décision, c'est pareil. Quand on se prend une décision, c'est pareil. Donc du coup, on l'a envoyé la première fois, on l'a convoqué. Quand elle a convoqué la première fois, elle est partie répondre. D'affaire de répondre là-bas, elle l'a laissé en espérant que, comme elle est partie pour la première fois, qu'elle allait répondre à la première convocation, qui était à la gendarmerie, mais c'est pas où là, je n'ai pas dit des bêtises ici. En se disant que, bon, qu'elle va sortir de là, forcément, elle va chercher à prendre notre argent, elle va chercher à nous appeler. Mais même à la sortie de là-bas, elle ne nous a même pas appelé. Pour dire, ah les frères, vraiment, je viens de quitter la convocation. Vraiment, excusez-nous, vraiment, excusez-moi, vraiment, pardonnez-moi, vraiment, ça veut dire ceci. Ma bio n'a rien fait, elle. Ma bio encore se promène encore, elle s'en rend dans les shows, elle fait les directs, elle boit ses champagnes, elle fait ses troupes, pendant que nous-mêmes, on est assis là, on la regarde, elle fait directeur de souris. Ça m'a dit, mais attends, Estrator, j'appelle Estrator, Estrator me dit, mon, vraiment, Apoutou, je sais pas, hein, mais vraiment, dès que fétiche de goût là, ça dépasse pour moi, hein. Parce que, à la lune, ça va, là. Je ne sais pas si toi, la fille est assise. Hein. Moi, le grand Estrator. Moi, le grand président Estrator. La fille m'a pris. Elle m'a fait enrouler dans la farine. Je n'arrive pas à comprendre. Zaba le requet. Elle a enroulé Zaba le requet. Moi-même, à Poutou National, partagez le direct, mettez les cœurs. L'homme qui a créé tout ce qui est comme polémique, qui est comme buzz,
Alors la belle, il y a même mon nommé Boiri. Tout ce qui est comme polémique, il y a comme baisse, le père fondateur de tous les clashs, qui a reçu une délivrance par la grâce de Dieu, qui s'est converti, qui est devenu plus calme. Je me dis que ma Bible ne peut pas me faire ça, c'est pas possible, parce qu'elle sait que j'aime voler son âme. Elle ne peut pas prendre mon argent pour aller faire BBN. Pendant que moi-même, mes narines sont versées devant mon visa ici, je n'ai pas pris mon argent pour aller chez MNN. Elle va prendre mon argent pour aller faire face gauche. C'est que moi, je prends plus là pour aller avec. J'ai dit ça à mon ami Zaba, il dit Zaba, c'est pas possible, ma Bible ne peut pas nous faire ça, elle va donner notre argent. Donc moi-même, j'appelle ma bio, je la menace. Je dis ma bio, à cause de Dieu, ramène mon argent, sinon je vais faire direct sur toi. Qu'elle a vu le poste net, elle sait que j'ai un faible et que mon faible c'est ma maman. Elle a appelé ma maman pour dire à maman que ah vraiment, faut parler à ton fils, faut pas venir parler de ça sur les réseaux sociaux, j'ai mes partenaires, j'ai mes sponsors et tout ça. J'ai dit ok maman, j'ai compris, il n'y a pas de souci, je ne parle pas de ça. Après encore, j'ai vu encore que les jours passent encore, elle ne fait rien moi. Je l'ai encore menacé, elle a appelé mon jeune producteur, Mola. Mola aussi, le boss Mola m'appelle. Ah, mon fils, vraiment, il faut le laisser. Elle dit qu'elle va donner l'argent là, le vin. Le vin est passé. Il n'y a pas de solution. Donc, mes amis et moi avons décidé de la reconvoquer encore pour une deuxième fois. De la reconvoquer encore pour une deuxième fois. Donc, la deuxième fois, nous l'avons convoquée. Ma bio est arrivée. Apparemment, ils l'ont gardé. Moi, je n'étais pas là-bas. Moi-même, je devais aller porter la plainte aussi. Mais durant mes affaires qui s'étaient faites, finalement, je ne suis pas allé porter plainte. Et ceux qui ont été auditionnés, c'est mon ami Zaba et puis Estrator. Donc dans la plainte là, on est trois dans la plainte. Mais moi, je n'ai pas pu aller là-bas parce que j'étais en train de faire un trou. Mais néanmoins, quand même, nous sommes trois dans la plainte. C'est nous trois, c'est plein. Nous, on veut juste retirer un peu de notre argent. Pendant que, pour ne pas que les autres viennent s'ajouter et ça devient encore autre chose encore pour payer encore l'argent. Donc quand on convoque ma bio, pour la deuxième fois, ma bio se rend maintenant et là maintenant elle arrête. Donc elle arrête, elle passe d'abord une première nuit. Et la première nuit, nous on est en contact avec le gars qui est, le monsieur qui a l'affaire. Nous on est en contact avec lui. On appelle pour voir, est-ce qu'elle essaye au moins de négocier? Pour voir si elle peut donner quelque chose, tout ça. La maison lui dit que non, ma bio ne négocie rien. Ma bio ne dit rien de bon, rien de concret. Un jour passe, deux jours passent. Mon ami Zaba m'appelle. Il dit, ah Zaba, c'est comment? Ma bio là, elle est sortie, mais elle est toujours là-bas. Ma bio non, qu'elle est toujours là-bas. Il dit, mais elle est toujours là-bas comment? Elle a quand même dit au moins quelque chose au moins, mais ça nous donne au moins 1 million chacun. Au moins prendre 1 million là, on va peut-être boire nos billets avec, ou bien peut-être en faire quelque chose avec, mais au moins on a reçu quelque chose de notre argent, de ton type. Ma bio ne nous dit rien. 3 jours arrivent, hier, yeah, ils ont envoyé ma bio au parquet. Nous, notre but, ce n'est pas d'envoyer ma bio en prison. Nous, on ne gagne rien en envoyant ma bio en prison. Et quand je vois des personnes disent que non, ils ont déjà l'argent, non, ils n'ont qu'à laisser. On a quel argent? Zaba qui est là, lui, il souffre pour gagner son argent. Avec ses petits frères, les Team Paya, en train de danser, oui, 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 c'est le premier gagner son argent. Estrator aussi, il souffre pour gagner son argent. Moi-même, je suis là, c'est de partager le direct, mettez les gueules. J'ai gagné mon argent, mon petit argent. Donc, quelqu'un ne peut pas venir prendre mon petit argent pour aller avec et puis me montrer que moi, je ne suis rien ou que je ne peux pas l'envoyer quelque part. Nous n'avons pas voulu le voir en prison, nous on a juste voulu l'effrayer pour qu'elle nous donne un peu de notre argent, dans notre argent là. Mais ça n'a eu 1 million dans notre argent. Nous on a juste voulu l'effrayer pour qu'elle ait au moins l'envie de payer notre argent. C'est ça qu'il s'agit. Pour qu'elle ait au moins l'envie de payer notre argent. Donc quand elle est arrivée au paquet, moi à 9h, j'appelais mon ami Zaba le requin. Zaba était en train de faire ça demande des visas pour aller en France. Tout ce que vous dites là, c'est la vérité. Voilà comment ça s'est passé. Zaba était en train de faire sa demande pour aller. Donc je retourne mon ami Zaba à Mapori. Je prends mon ami Zaba et on va au parquet. On arrive au parquet vers le midi. On reste au parquet de midi à 17h. Zaba rentre, il parle avec la fille. Il dit, ah, c'est comment ma bio? Tu es là actuellement là. Quelle solution on peut trouver par rapport à notre argent? Elle nous dit que non, qu'elle a rien si elle. Et que elle a l'un de ses gars qui va envoyer 30 millions ou bien qui va envoyer 20 millions. Bon, je ne sais pas. Elle a l'un de ses petits là. Bon, ils disent qu'ils vont envoyer 20 millions, mais combien ça, ils vont envoyer 30 millions. Bon, je ne sais pas trop d'aller à faire. Donc Zaba reçoit, il me dit, ah, il dit à Zaba, ah, c'est comment, t'allais parler, elle a dit quoi? Il dit, ah, bon, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Donc moi aussi, je rentre aussi. Elle me dit, ah, Poutou, vraiment, je vais pas aller en prison, j'ai ma fille, j'ai mes soeurs, j'ai mes manchés, j'ai ma famille, j'ai mes parents, j'ai mes comme quoi, j'ai mes ceci, j'ai mes cela. Il dit, moi, notre but, ce n'est pas de t'envoyer en prison.
Moi, je ne suis pas méchant et tu me connais. C'est pas l'argent sale aussi qui va moi me faire ou que je suis en manque de ça. Mais en toute chose, c'est le comportement et c'est la manière. Tu peux pas venir voir nous, tes frères que nous sommes. Toi, tu vas organiser ton team. Toi, tu prends premier. Toi, tu prends deuxième. Toi, tu prends troisième. Et puis, arrivé à quatrième personne, la tout se gâte. C'est que nous, on cotise pour toi. Et toi, tu nous prends comme des moutons. Que toi, tu vas nous rouler dans la farine. Nous, les vieux que nous sommes. Nous, les vieux. Estrator, Zaba. Et puis, à Poutou, dans ce moment-là. Nous, trois. Que tu as fouillé même. Les trois, tu nous as remis comme des confréries. Et puis tu nous as mougou pour nous laisser au milieu. Nous, on t'appelle, toi, tu ne décroches pas. Nous, on va t'appeler. Si on va faire des tontines, nous, on peut t'appeler. Et puis toi, tu n'as pas décroché le téléphone. À quel moment? Depuis quand? Depuis quand? Elle dit non, vraiment, c'est ma vie, c'est l'auto. C'est une solution. Il dit ah, il faut trouver une solution. Et bien, là, nous sommes au paquet. Hein. Toute solution, on va sortir ici. En se disant que. Il y a un gars véritablement qui va venir avec l'argent. Donc nous on attend le gars qui va venir avec l'argent là. Avant dans 15 heures, dans 16 heures, il n'y a personne qui arrive avec l'argent. Il dit, Il dit mon ami, on va monter saluer le grand patron, le procureur de la République, pour qu'il puisse voir au premier notre affaire. Donc quand nous on monte pour aller saluer le papa, et papa nous dit que, ah, d'ailleurs lui-même il est déjà fâché. Il est fâché parce que Mabio vient de faire un poste. Dans le poste, elle dit qu'elle va faire direct à 17h. À 20h. Quelqu'un qui n'est même pas encore sorti fait un poste. C'est comme si elle défie déjà la loi de la Côte d'Ivoire. Or, la loi n'a pas encore donné son verdict. Et puis, en plus de ça, encore, depuis le matin qu'elle est là, elle a envoyé personne. Je dis bien, elle a envoyé personne pour aller négocier, pour dire que, ah, vraiment, on est venu négocier par rapport à ma bio, bon, par rapport à l'argent qui est droit là. Bon, nous on a 1 million, nous on a 2 millions, on veut négocier avec ceux à qui est droit. Personne n'est venu auprès du procureur, personne n'est venu auprès de nous les plaignants, pour quoi que ce soit. Donc, eux, automatiquement, ils vont la déférer. Qu'en a-t-on déféré? Sur tout ce que je cherche de plus cher dans ce monde-là, je me suis mis en genou, Zaba s'est mis en genou en attrapant le pied du procureur. Elle dit, papa, pardon. Nous là, ils vont venir dire après que c'est nous affaire et puis Mabio est parti en prison. Ça va rester dans nos mains, pourtant c'est nous notre argent. Nous-mêmes on prend notre argent et puis on nous dit que nous on est méchants. Qu'un sous-prétend va dire nous on a l'argent. Nous on a quel argent? Nous on a quel argent? Et même si on a l'argent, allez quoi dans votre même qui est milliardaire, continue de chercher de l'argent. Son Excellence, l'homme le plus debout de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, lui-même il continue encore de chercher de l'argent. Donc, nous-mêmes, on est là. Nous, on a quoi pour dire que nous allons laisser notre argent dans la main de la fille? Elle a quand au moins nous dit quelque chose au moins. Le papa dit que, ah, lui, si d'ici, on va dire 17h, qu'ils ne sont pas venus au moins avec 3 millions, qu'automatiquement, ils vont la déférer. Il dit, oh Seigneur, si ils ont déféré ma bio, c'est que c'est le problème encore sur nos têtes encore. Bon, d'ailleurs, même là, elle me doit, non? Moi-même, mon âme, même là, c'est pas d'abord le problème. Moi j'ai 1 million dans ma poche ici. Zaba, tu as combien? Zaba dit qu'il a 1 million. Si, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est pas ça. C'est ce qu'il a dit. Le player. Qui? Non, non. Mais c'est comme payer le proc. Non. Au fait, c'est pas comme. Ce n'est pas l'argent pour donner au procureur. C'est nous-mêmes notre argent. C'est que c'est l'argent pour nous donner à nous. Oh. Le procureur dit que, ah, même si elle peut donner au moins 3 millions. Bon, tu vois, non? Genre, si elle peut donner 3 millions dans notre argent, quoi. Genre, 1 million à chacun. Puis ça, les 3 players. J'ai donné 1 million à chacun pour qu'on puisse partir. Tu vois, non? Pour que les gens, en plus, on puisse recevoir quelque chose. Donc, comme elle dit, elle a rien si elle. Ça m'a dit, mais attends, c'est pas possible. La fille n'a pas dit qu'elle a rien. Qu'elle a même pas 3 millions. Qu'elle manque de 3 millions. On dit, ah, mon frère, apparemment, elle n'a pas 3 millions. L'affaire, là, on attend de partir vers 16h. On dit, 17h00, le train décolle. L'avion ou bien bateau. Baka la décolle pour aller, elle, à la Maca. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit à mon frère Zaba, ah, moi j'ai 1 million dans ma poche ici. Zaba, tu as combien sur toi? Zaba dit que, ah, Zaba dit que, ah, que lui aussi il a 1 million sur lui. Ça fait 2 millions. C'est que nous-mêmes, avant de lui donner l'argent pour qu'elle nous redonne l'argent, faisant croire qu'elle nous a remboursé notre argent pour que nous on la libère. Est-ce qu'on veut la stratégie? Parce qu'elle est en train de partir en prison et nous on ne veut pas qu'elle parte en prison. Nous de elle, c'est notre soeur et puis de soucou encore. Spécialement de notre argent, nous on ne veut pas l'avoir en prison. Donc moi il dit j'ai 1 million sur moi. Zaba dit qu'il a 1 million sur lui, ça fait 2 millions. Donc Mabio, est-ce que tu peux avoir au moins 1 million sur toi là-bas, hein, mettre les 3 millions là pour aller devant le procureur pour dire, ah monsieur le procureur, bon elle a fait allégeance, bon elle a donné 3 millions, il y a qui libéré là. Mabio n'a pas 1 million là. Il est 15h45, 16h,
16h30. Ma bio prend mon numéro Wave. Elle dit qu'elle va me faire dépôt tout de suite là, de 1 million là. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Mon frère Zaba, allons-y en même temps devant Point de Roche Money ou bien de Wave. Là, qu'elle a pas là, mettant retire en même temps. Et puis elle vient devant le procureur. Elle arrête devant Point de Wave là. Ma bio n'a pas l'argent. Les 1 million là ne viennent pas. Jusqu'à 17h. Ils sont venus nous soulever. On dit, ah monsieur, sortez. Nous avons déjà remis le mandat de dépôt à ma bio. Ma bio doit aller à la haie. À la haie, bon, à la maca. Ma bio doit aller à la maca. Automatiquement, mais là, on commence à couler. Je suis devenu froid et coup. Je n'ai jamais été mêlé une fois d'une histoire qui va envoyer quelqu'un en prison. Ce n'est pas la première fois. On a voulu frère ma bio pour que ma bio nous donne notre argent. Ma bio dit n'a rien. Ces frères n'ont pas. Tout, oui, qui se traite à ma bio n'a pas l'argent. Ma bio a appelé un gars là-bas, il sait pas qu'il y a un village. Il dit, mais l'argent, il est là, lui. Il sait, on sait pas, 1 million, il va donner. Pour que nous, on complète là-dessus. Pour qu'on libère ma bio n'a pas les 1 million. 5 francs, ma bio n'a pas. 17h. Apparemment, qui a cotisé là-bas? J'ai dit à son petit, là. Il a dit, mais mon petit, son petit qui est lui, là, qui a les cheveux, quoi, là, c'est pas là. Il dit, mon petit, mais attends, quelqu'un est en train de partir en prison. Vous réfléchissez de elle doit accepter d'abord l'argent. Donc si quelqu'un est en train de mourir, vous allez laisser la personne mourir sur peut-être que la personne n'a pas accepté. Non, c'est pas comme ça la vie. C'est véritablement l'argent est là. Mais donnez l'argent là, nous on va aller montrer au procureur pour qu'elle puisse la libérer. Vous ne voulez pas qu'elle la libère. Ils disent que non, qu'ils attendent d'abord qu'elle donne d'abord son ok. Ils disent attends, elle donne son ok parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas là. Elle ne veut pas. Oh, où nous on est là? Moi si je suis sorti le matin, il y avait 1 million 50 francs dans ma poche. Zaba aussi avec 1 million seulement dans sa poche. Donc on n'a même pas 2 millions sur nous, mais 3 millions. Bon, on n'a pas 3 millions sur nous pour dire qu'on fait quelque chose. Donner les 1 million à compléter de son monté haut. D'après de donner les 1 million, donner les 1 million, donner 1 million haut. Camion a commencé à découler. Il est l'heure. Il est l'heure. On nous dit qu'on n'a qu'à bouger. Que derrière même là, il est déjà 17h. Que même si on a 20 millions sur nous là même là, ma bio ne sortira plus. Donc c'est ainsi que le camion a décollé et le camion est parti à ma bio. Donc comme le camion est parti à ma bio, nous, on ne fait pas que ma bio reste en prison. Parce qu'apparemment, quand on fait un mandat de dépôt, c'est 2 semaines. Nous, on retourne encore chez le procureur pour aller attraper le pied du procureur. Papa, ma bio est partie en prison, mais elle te demande pardon. Si tu peux voir, si lundi, là, on peut la ramener, et je suis sûr que d'ici lundi, elle pourra trouver une solution. Parce que forcément, les gens vont parler avec elle, sa famille, ses proches. Elle pourra trouver une solution dans le but de nous donner un peu de notre argent pour qu'au moins on ait au moins le cœur au moins satisfait. Pour dire qu'au moins elle fait au moins l'effort. Le procureur dit bon, comme c'est vous. Vous êtes les plaignants. Et que vous-même, étant plaignant, vous ne voulez pas que la personne soit dans des conditions difficiles. Je vais faire de telle sorte qu'elle puisse revenir le mardi. Mais le mardi, là, qu'elle revienne au moins avec quelque chose. Donc, j'aimerais ici demander à tous ceux qui sont proches de ma bio. Nous, ça n'a jamais été notre histoire ou bien notre envie de vouloir envoyer ma bio en prison. Aller à ma bio en prison ne nous apportera rien. Certes, c'est notre argent qu'elle a pris, mais elle reste quand même et elle demeure notre sœur. Ma bio, je l'apprécie énormément. Parce que je l'apprécie que je me suis mis dans une tontine, quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie. C'est parce que je l'apprécie que quand elle a dit Zaba et Strato, qui est mes frères, j'ai dit bon, elle ne peut pas fuir notre argent. Elle ne peut pas fuir notre argent. Et ça, c'est depuis des mois. Hein. Ce n'est pas une histoire, ça vient de se passer. C'est depuis des mois que nous, on accepte. Nous, on est là, on ne dit rien. On accepte seulement. On accepte. On accepte, on ne dit rien. Mais apparemment, elle vit, elle met sa vie, elle ne nous appelle pas, elle ne nous écrit pas. Donc nous, automatiquement, dans notre tête, on voit ça en foutaise. Mon ami Zaba, lui, il voit ça en foutaise automatiquement. Pour dire que maintenant, quelqu'un qui nous doit, c'est nous, on court derrière la personne, on appelle la personne, même la personne ne décroche pas. On écrit la personne, mais la personne ne répond pas. J'aime pas si la personne se fout. Ou bien la personne s'en fout au fait de notre argent, ou bien de notre situation. C'est ce qui a pété dans notre tête. En voulant l'effrayer, elle-même aussi n'a même pas fourni d'efforts pour dire que non, elle va nous donner quelque chose. Et comme il y a plusieurs plaignants, comme je l'ai dit quand j'ai commencé la vidéo, que si on avait globalisé tous les plaignants, on va au moins dans plus de 60 millions, même près de 60 millions. Il y a plein de personnes, il y a les gens aux États-Unis, il y a les gens partout, qui ont même échappé même un peu. Donc, pour ne pas que tous ces plaignants-là s'accumulent et puis on ne va rien gagner dans notre tête. Pourquoi on a fait ça? Si on n'a jamais voulu envoyer ma bio en prison, donc les gens nous traitent des méchants. Nous, on va être méchants en quoi? Nous, on va être méchants en quoi? Non, c'est un poutou national qui ne veut pas. Non, les autres veulent la poutine. Moi, je ne veux pas. Moi, j'ai envoyé ma bio en prison. Moi-même,
là même là, je suis arrivé même au paquet même là. C'est moi-même à qui en toi qui vais encore donner l'argent encore pour qu'on libère encore la personne. Donc pourquoi est-ce que j'aime jeûner? Du moins, il venait jusqu'à nous donner un peu de notre argent. C'est tout. Même si elle sait qu'elle a gagné même notre argent qu'elle a mis dedans. Mais au moins qu'elle nous donne au moins un peu de notre argent. Ou qu'elle fasse au moins l'effort de montrer qu'elle a envie de payer notre argent. C'est tout ce que nous on voulait. Sinon, c'est pas ça qui manque. C'est pas 4 millions ou 5 millions qui manque à Zaba. C'est pas 6 millions qui manque à Instator. C'est pas moi aussi 4 millions ou 5 millions qui va moins me manquer. Jamais de la vie. Ça peut pas moins me manquer. Ça ne peut pas moins me manquer. Je suis l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire et c'est de ça qu'il s'agit. Que ça plaise aux autres ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pas ça qui me manque. Mais c'est la manière qui s'est passée. La manière qui s'est déroulée. Le foutage de gueule, le foutage qui était mis derrière. Et quand j'ai appris qu'ils ont pris mon âme pour aller faire fesse gauche, j'ai pété les plombs. Il y a mes narines. Si moi-même j'ai l'argent pour aller faire chirurgie là, moi-même j'ai pas allé changer mon nez. J'ai pas allé diminuer un peu les lèvres là. Ou bien diminuer un peu mes joues. Que moi-même je ne vais pas faire chirurgie pour aller, mais c'est quelqu'un qui a pris mon argent pour aller faire fesse gauche, fesse droite, arranger ça. Et puis venir. C'est que nous montrer que nos femmes là. On est gros femmes, et puis j'ai à se montrer les belles, et puis nous on est là, nous on est assis là. Nous on va pas prendre là aussi pour donner à nos femmes pour aller faire bibi. Attends, abata. Nous on va parler, non, on est méchant. Nous on va parler, non, c'est nous on n'est pas gentil. Nous on n'est pas gentil dans quoi? Qui n'est pas moins vieux ici? Nous on est moins vieux. C'est parce que nous on l'aime qu'elle allait se mettre dans ton titre là. Sinon nous on va faire quoi dans faire de ton titre? Ton titre, même que nous on est guerrier dedans. Quelqu'un est du fait de ton titre, il prend dernier. C'est que lui-même là, ça ne l'intéresse pas. Sur la liste de ton titre, c'est dernier. Il dit, je prends dernier. La liste de tontines là, j'ai dit je vais prendre dernier. Bon, dernier même, moi-même je paye tout mon argent pour être assis. Je ne vais pas que quelqu'un m'appelle, mais ça fait du mois, mais là, tu peux payer ton argent, faut payer ton argent. Moi-même, j'ai dit je vais payer tout. J'ai payé première partie, il est deuxième partie. Elle est venue me s'asseoir là encore. Non, monsieur, prends tontine des gens. Déjà, il y a 10 millions ici, il y a 5 millions là-bas, il y a 15 millions ici, il y a 20 millions ici, il y a tontine ici. En appel, non, il. Attends, Adama. Donc voici comment est-ce que l'affaire s'est passée, mes frères. Ça n'a rien à voir avec une histoire d'un complot ou qu'on voulait que Mabio parte en prison. Donc tous ceux qui sont en train de parler, qui ne connaissent pas la vraie version de l'histoire, voici la vraie version de cette histoire-là qui est là. Elle est en contact avec nous, elle nous a roulé dans la farine, elle a pris notre argent, elle a voulu le frayer. C'est un frayer là, elle n'a pas voulu coopérer dans l'affaire, même pas voulu même montrer même ne serait-ce que une envie même de vouloir payer notre argent, de vouloir même. Attends, je ne peux pas imaginer que Mabio n'a pas au moins 1 million ou 2 millions dans sa poche. C'est pas possible. C'est pas possible, mais peut-être qu'elle a même de payer. C'est pas possible. Elle a pas envie de payer. Ou même, je ne peux pas croire qu'elle n'a pas 1 million ou elle n'a pas 2 millions. C'est pas possible. Nous, on a couru derrière elle, on court derrière elle. Je m'en vais vite derrière elle. On rit à elle, on cause à elle. Les gens nous appellent, ils sont couchés sur nous d'hôpital. Ils sont en train de perdre les âmes parce que les agents chez Mabio. Les gars m'appellent Mabio, Mabio ne me décroche pas. Les gars m'appellent. Il y a une fille qui m'appelle ici. J'ai mes 4 millions, l'autre m'appelle, j'ai mes 5 millions, l'autre m'appelle. Quand elle a tenu ça, nous, on est fous. Elle dit, Madame, c'est pas dit, moi, quand elle a kidnappé, là, elle va aller faire sortir l'argent. Elle dit, mon frère, kidnappé comment? Laisse-moi là. Elle n'a pas la kidnappée. Bon, il a mis ça dans amusement, quoi. C'est pas ça amuse. Mais si les autres doivent se rajouter à nos plaintes là, mais si elle est beaucoup, mon frère, on a dit qu'on disait vous pouvez mettre 60 millions. Qui n'a qu'à payer 60 millions? Elle a 60 millions pour pouvoir payer. Nos petites dizaines de millions là, mais elle ne peut pas payer. C'est 60 millions qu'elle va payer. Donc prenons un peu pour notre argent pour que les autres arrivent. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc voici l'histoire qui est là où mes frères, mes soeurs, allez là où vous parlez là. Moi-même, là, je suis fatigué d'internet. Ma tête chauffe. Depuis 3 jours, la famille Kardashian a pris, on est dans les buzz.